On se retrouve dans cette vidéo pour tester les nouveaux masques de chez L'Oréal. J'ai hâte de les tester en direct avec vous. Tout d'abord, on va faire connaissance un par un des masques et on va voir ça ensemble. Ça va être génial. C'est des masques qu'on peut utiliser en fait ensemble, les assembler là où notre visage en a besoin. Donc, on y va. Le premier masque dont je vais vous parler, c'est celui à l'argile pure. Le packaging, il est en vert, il est vraiment top. J'aime beaucoup le packaging. Je ne les ai pas encore ouverts, donc je ne les ai pas sentis. Jamais testé, c'est la première fois. Donc, c'est Alexiane du site Sublime qui me les a envoyés pour que je puisse les tester via L'Oréal. Donc, merci à tous les deux. Merci à L'Oréal et merci à Alexiane. Et restez avec moi jusqu'à la fin car vous, derrière, vous allez avoir une petite surprise, même une grosse surprise. On y va pour ce masque. Alors, le packaging se présente comme ceci et il y a vraiment tout décrit. Donc on y va hein, parce que je ne les connais pas par cœur. Donc celui-ci, il exfolie, il affine les pores. Donc c'est-à-dire que vous pouvez le placer ici. Moi je sais que j'ai des pores ici, donc je vais le placer là, à cet endroit-là. Alors, les laboratoires L'Oréal, ils ont sélectionné 3 argiles pures. Ils les ont associées à l'extrait d'algues rouges dans une texture masque crème gommante. Donc celui-ci, il se gomme. J'ai pu voir qu'une fois qu'on l'a posé, au moment que le temps il est fini, pour l'enlever, il faut le gommer. On va voir ça après. Ultra fondante et non desséchante pour lisser les pores, exfolier la peau sans la déshydrater. Donc ça, ça m'intéresse parce qu'en plus, moi, j'ai la peau sensible. Donc les 3 masques, je vais pouvoir les tester. Et on va voir ensemble parce que j'ai une peau qui est vraiment très réactive. Alors dedans, comme je vous ai dit, il y a 3 argiles pures. Il y a le kaolin, une argile pure très concentrée en silicate, reconnue pour absorber les impuretés et l'excès de sébum. Ça, je le connaissais, le kaolin. La montmorillonite, je ne connais pas du tout. Une argile pure très riche en minéraux, reconnue pour son action sur les imperfections. Donc, je pense que quand on peut avoir un bouton, on peut le placer aussi à cet endroit-là quand on a des imperfections. Le gazoul. Une argile pure très concentrée en oligo-éléments reconnue pour aider à clarifier le teint. Mais c'est un masque qu'on peut utiliser tout seul sur tout le visage en évitant bien évidemment le contour des yeux et les lèvres. Donc voici la jeune femme, on vous montre. Voilà, ce masque purifiant, pardon, donc pour les peaux mixtes à grasse, il y a le Max Detox pour les peaux ternes et le masque lissant pour les peaux irrégulières, pores élargies. Donc c'est celui-ci pour les pores. Retenez bien, l'argile couleur rouge, c'est pour les pores et pour lisser. Donc, pour un soin sur mesure adopté à chaque zone de votre visage, chaque type de peau, adoptez le multi-masking. Ça s'appelle comme ça si vous voulez utiliser les 3 masques. Voici pour celui-ci. Ensuite, on va passer au masque qui purifie et matifie. 3 argiles pures plus l'eucalyptus. Donc, toujours le même packaging, le même en vert. Donc là, les laboratoires L'Oréal Paris ont sélectionné 3 argiles pures et les ont associées à l'extrait d'eucalyptus dans une texture masque crème ultra fondante et non desséchante pour purifier en profondeur et matifier la peau sans la déshydrater. Donc je me dis que s'il y a l'eucalyptus, est-ce qu'on va avoir ce petit côté frais? Donc on va retrouver les mêmes argiles pures que je vous ai présentées pour l'autre et en plus l'eucalyptus. Donc le pouvoir de l'eucalyptus, il est enrichi en extrait. Donc l'eucalyptus, actif botanique connu pour ses vertus purifiante et rafraîchissante. Donc ce que je vous ai dit, je pense qu'on va le retrouver. Ce masque à la texture fraîche, voilà, est stimulant, vous procure une sensation de bien-être immédiat. Immédiatement, les impuretés sont éliminées, la peau est fraîche, propre et purifiée, elle est matifiée, plus nette, plus douce, la peau respire, elle est visiblement transformée, éclatante de beauté. Donc vous pouvez aussi l'utiliser tout seul, aussi sur l'ensemble de votre visage, ou alors, bien évidemment, l'utiliser associé
aux trois autres, aux deux autres masques. Voilà. Donc celui-ci, le masque purifiant, c'est surtout pour les peaux mixtes à grasse. Ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai une peau normale, voire un mixte. Donc, c'est-à-dire que celui-ci, on peut aussi l'utiliser sur la zone T. Oui, front, nez, menton. Donc, je vais voir si je vais utiliser comme ça. On va voir l'autre ce qu'il fait. Le dernier, qui est tout noir, se présente comme ceci. Donc, il détoxifie, révèle l'éclat. Donc, dedans, on va retrouver les trois argiles que je vous ai présentées, plus dedans le charbon, qui est un actif végétal d'origine naturelle, qui est reconnu pour ses vertus magnétiques exceptionnelles. Voilà. Donc là, celui-ci, ça va être plus front et joue. Donc, je vais plus l'utiliser ici. Donc, je vais utiliser le vert comme ça, là pour les pores, et là, je vais utiliser jusque-là le masque noir. Je vais être dans un état pas possible. Voilà, donc je vais tester les trois en même temps. On peut les laisser poser de 5 à 10 minutes. Vu que moi, je suis vraiment très réactive au niveau de mon visage, je vais d'abord tester 5 minutes et ensuite, je reviendrai vers vous, j'enlèverai et je vous dirai ce que j'en pense. Là, on va l'appliquer ensemble. Alors, c'est parti. Je vais mettre ma petite pince. Je prends mon pinceau de chez Sephora qui est vraiment top, je l'aime beaucoup. Donc on va tester. Alors, ah, il y a une petite opercule. Ça sent bon. Je vais prendre ce qu'il y a déjà sur l'opercule. Donc je vous ai dit que j'allais l'appliquer sur la zone T. Hop, je vais en prendre d'autres. Donc c'est parti, celui-ci il purifie et il matifie, donc on va le faire sur la zone T. Je vais peut-être limite m'en mettre dans les narines. Il est vraiment très frais, il sent vraiment bon. On va aller jusqu'en dessous pour bien faire aussi le menton. Faites bien attention à vos lèvres. Faites bien attention à vos lèvres parce que s'il y a de l'eucalyptus, ça peut vous piquer comme certains produits nous faire pleurer. Donc moi j'en ai mis en plus vraiment en couche épaisse. Hein. Je suis désolée, je vous mets la glace. Là on va remonter. Il est vraiment top ce pinceau. Et là, hop, j'espère que personne ne va arriver. Pas le facteur, surtout pas le facteur, parce que là ça craint, si je sors comme ça je vais être pas mal. Donc pour moi voilà, je dirais que moi ça va être plus à cet endroit là que je vais. Oh, il est frais, vraiment très frais. Bon, je fais pas le contour des lèvres ensuite. Donc j'ai pris un petit papier, donc je vais hop, essuyer, et j'ai dit que j'allais appliquer pour les pores, et là ça tombe bien parce que j'ai des pores qui sont quand même un peu apparentes. Alors qu'est-ce qu'ils sont celui-ci? Oh, on voit des petits grains. Ils sont super bons. Ah oui, dis donc, lui aussi, hein, vraiment top. Hein. Donc je vais prendre aussi ce qu'il y a sur l'opercule. Je vais en reprendre un peu plus. Voilà. J'aime bien quand même appliquer en couche épaisse parce que l'argile, c'est vrai, ça peut sécher. Et enfin, ça sèche. Et du coup, après. Donc, je vais mettre de chaque côté. Et vous voyez avec le pinceau Sephora comment c'est trop facile à appliquer. Donc là, mon niveau de mes pores, c'est bien. Jusqu'ici, on fait attention au niveau des yeux. Je descends jusque là. T'es trop belle, ma fille. C'est le crash test en live. Hein. Et celui-ci, on voit bien les grains. On voit vraiment bien les grains qu'il va falloir gommer au moment de rincer. Donc là, voilà, moi, les pores, ça y est, à cet endroit-là. Et j'ai plus qu'à faire l'indienne. Ensuite, le masque noir au charbon.
Donc j'essuie mon pinceau. Vous voyez, ça s'essuie très bien. Hop, je vais fermer par contre les autres masques. Ouais, dis donc, ça sent bon. J'ai plusieurs odeurs là. Et ça y est, celui que j'ai appliqué le tout premier, il commence à sécher. Ça commence à me tirer un petit peu. Et je sens le frais, je sens l'odeur de l'autre, mais c'est génial. Et franchement, je kiffe, j'adore. J'adore. Mais ils sont bons aussi. Oh là là, pur bonheur. Top. Donc celui-ci, j'ai dit que j'allais l'appliquer sur les joues. Alors par contre, je vais faire attention à l'opercule parce que je n'en ai peut-être pas assez. Donc, je vais le poser là-dessus. Donc là, on va faire les joues. J'ai un petit peu trop monté celui-ci, mais bon, les pores, c'est vrai que... Hop. Voilà. Donc, l'autre côté. Et j'ai vu aussi sur les masques qu'on pouvait faire jusqu'à 10 applications. Voilà. Regardez la précision avec le masque Sephora. Le masque, le pinceau. Hop, je vous le conseille. Et si vous voulez justement commander un petit placement, si vous voulez commander sur Sephora, surtout pensez à passer par Igral. Vous avez mon lien de parrainage en barre d'infos. Vous avez des codes promo. Vous avez plein de choses. Et si vous n'êtes pas encore abonné, foncez parce que vous allez avoir du cashback. Tout expliqué en barre d'infos. Donc voilà, pour moi, je vais l'appliquer comme ceci. Je ne vais pas en mettre ce contour des lèvres. Pour moi, là, c'est ce qui me conviendrait vraiment. Donc, je vais mettre ça là. Je relis. Si c'est bien 5 minutes que j'ai lu, je crois que c'est ça, hein, 5 à 10 minutes. Hein. Je relis. Voilà, laissez sécher 5 à 10 minutes jusqu'à ce que le masque prenne une couleur grise, rincée à l'eau tiède. Alors, ça, c'est pour le masque détox, donc grise. Je pense qu'il faut que ça s'éclaircisse. Ça s'éclaircisse. Donc, en salle au tiède ou avec une serviette humide. Et c'est celui-ci qu'il faut gommer à l'argile. Rincer à l'eau tiède en mouvement, en petit mouvement circulaire pour une meilleure exfoliation. Donc du coup, quand je vais rincer, je vais commencer par lui et exfolier. Voilà, je laisse 5 minutes et je reviens pour vous dire ce que j'en pense. Ça y est, je me suis rincée. Alors, on va parler des masques déjà par rapport au rinçage. Même déjà avant, donc l'application vraiment top, le masque vert, on a la sensation fraîche de l'eucalyptus, le masque à l'argile, donc on va dire un peu, je vais l'appeler l'argile pure, mais au niveau de sa couleur rouge, allez on va dire rouge, on sent bien les petits grains quand on l'applique, et le masque noir, donc au niveau du charbon, on sent rien, mais bon, je peux vous dire une chose, que les trois, déjà dans un premier temps, l'application top, ça sent super bon, c'est un plaisir de confort, je l'ai laissé que 5 minutes, et moi c'est parfait, 5 minutes, il ne faut pas plus, le masque vert, vraiment commencer à tirer, donc 5 minutes c'est top, 5 à 10 minutes c'est écrit, mais moi 5 minutes vraiment génial. Là, j'ai quand je l'ai retiré, alors j'ai déjà commencé par gommer, donc on sent les petits grains, vraiment top. Donc ça a mélangé bien sûr avec le noir, mais bon, c'est pas grave, hein, je me suis gommée. Et ensuite, j'ai pris donc les lingettes de chez Papillon Couture, mais qui a changé de nom, c'est le Coquelicot Bohème, il me semble bien. Et là par contre, le masque le plus difficile que j'ai trouvé à retirer, c'est le masque noir, et il y en avait partout. Alors c'est lui qui reste hein, sur la lingette et puis dans votre lavabo, c'est lui. Mais alors ça, c'est rien comparé à l'effet que vous pouvez avoir après. Franchement, je suis mais super contente de pouvoir les tester, ces masques-là. Ça y est, c'est fait, je les ai testés. Parce qu'au niveau de ma peau, là j'ai un confort, ça me tire pas comme d'autres masques que j'ai pu tester à l'argile. Déjà, le fait de pouvoir
combiner le multi-masking, comme ils disent, combiner trois masques, c'est vraiment génial pour que ça agisse sur diverses parties de notre visage. L'odeur, vraiment top, la sensation qu'on peut avoir, la texture, enfin vraiment top. Bon, je vous dis après, c'est un petit peu galère pour retirer surtout le masque noir, mais une fois que tout est parti, la sensation, c'est ça que je voulais voir, c'était la sensation, et voir aussi au niveau de mes pores ce que ça allait faire, et ça les a... réduit, on va dire, enfin réduit, vous voyez, ça les a rétractés, et la zone T, elle ne brille pas, et c'est doux, ça ne me tire pas, là, j'ai qu'une envie maintenant, c'est de me mettre une crème cocooning juste derrière, et c'est vraiment, mais une super belle découverte, et là, la prochaine fois, je testerai masque par masque, vraiment en entier sur tout le visage, mais là, je vous les conseille, ils sont vraiment topissimes. Alors, je vous ai dit qu'il y aurait une petite surprise. Vous allez aller sur mon Instagram et pour l'une d'entre vous, vous allez voir les conditions. L'une d'entre vous, elle va pouvoir gagner ce lot de 3 masques. Alexiane du site Sublime offre à une gagnante donc ces 3 masques. Et je suis super contente que l'une d'entre vous va pouvoir tester ces masques parce que franchement, j'adore. Enfin, moi, perso, j'adore. J'en ai tellement entendu parler que je me suis dit, oh, c'est encore le gros coup de pub et tout ça. Et en fait, Alexiane a fait des lives avec Doumia. Ils les ont testés en live. Ils ont dit ce qu'elles ont pensé. Et franchement, ça se voyait. Donc, elles ne pouvaient pas tricher. Hein. Oui, oui. Et là, je me suis dit, mais vite que je les ai pour tester. Et là, je vous les conseille. Vous pouvez trouver vos bonheurs déjà dans un. Parce que ben, tout le monde n'a pas la peau mixta grasse. Mais moi, les 3, c'est vraiment top, 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 je vous les conseille. Donc pour celle qui veut gagner un masque, vous allez sur mon Instagram, vous aurez toutes les conditions. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.